Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu de Evil Within 2. Live. Sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Tango. Ah ouais, qu'est-ce qui est ça? J'ai déjà de la misère à voir. Je vais mettre plus de lumière parce que avec ma télé, j'ai de la difficulté à voir là, à cause de la lumière que j'ai dans le plafond. Pas le mode première personne, mais... Pourquoi? Français, français. J'ai quasiment envie d'enlever le mode première personne. Ah, il est désactivé, hein. Ah, ok. Il est déjà désactivé. Ouais. Nouvelle partie. On va faire en mode détente, je pense, fois ça. Même si logiquement, ce sera en survie. Bon, à un moment donné, il faut pas trop, là. Une maison ravagée par les flammes, mort d'une fillette de sa nourrice. Chapitre 1, les flammes du mal. Non, 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 c'est pas possible. Mon Dieu, on se rappelle que sa maison de sa fille est morte brûlée. C'est un pied à travers, c'est une porte patio. Ellie, je suis là. Où es-tu? Oh non, elle est là-haut. Oh
telle chose a pu arriver. J'arrive, Lily. Tiens bon. Je suis là, Lily. Je suis là. Lily. Viens, ma chérie. Lily. Où es-tu? Je suis là. Papa est là. Tu n'étais pas là pour moi, papa. Ouais. Bah c'est Ballista. Non. C'est un rêve. Les Men in Black à gauche. Kidman. Bonjour, Sébastien. Ça fait longtemps. Elle est là, hein. 3 ans. Ça fait 3 putains d'années que je vous cherche. Et vous pensiez que je me cachais au fond d'une bouteille? C'est ça? Et qu'est-ce que vous foutez là, bordel? Vous ne m'avez pas trouvé parce qu'il vous en empêchait. Du calme, Sébastien. Vous saviez ce qui allait se passer dans cet hôpital, pas vrai? L'incident de Beacon fait partie du passé. Il faut l'oublier. On croirait entendre ce con de psy qu'ils m'ont obligé à consulter. Mais il n'avait pas la moindre réponse. Vous aussi. Vous allez tout me dire. À propos de Mobius. Je suis là à cause de ça. Est-ce que vous avez trouvé ça? Lily est toujours en vie. Quoi? Il est mort? Lily est morte! J'ai lu le rapport d'enquête! On l'a enterrée! On peut réécrire l'histoire si on le désire. Simuler une mort n'a rien de sorcier. Pourquoi je sortirais de ma cachette juste pour vous mentir? Lily est bien vivante. Et elle est avec nous. Mais elle est en danger. On a besoin de votre aide pour la sauver. La sauver? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Enlève tes sales pattes. J'espérais que vous me suivriez gentiment, Sébastien. Mais on n'a pas le temps pour ces conneries. On a besoin de vous. Lily a besoin de vous. Lily a besoin de toi. Sébastien, vous êtes réveillé. Bien. Ouais, c'est ça, bien. Où est-ce qu'on est? Vous êtes dans une de nos installations. Alors c'est ça, la grande organisation Mobius. Faites attention à ce que vous dites. Ils sont plus puissants que ce que vous pensez. Ouais. Tellement puissants qu'ils sont obligés d'enlever un ancien flic au fond du trou pour les aider. Au moins, vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. J'en ai marre de vos conneries.
Où est Lily ? Patience. Toutes les réponses sont juste là. Encore ? L'incident de l'hôpital psychiatrique Beacon était un contretemps malencontreux. Mais nous avons utilisé ces connaissances pour construire un nouveau STEM plus élaboré. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec ma fille ? Imaginez des millions d'esprits connectés les uns aux autres. Le bonheur d'un individu fait le bonheur de tous. Cette machine, ce miracle, permettra à notre espèce d'atteindre la grandeur. Nous avions besoin d'un esprit pur et suffisamment sain pour supporter le poids de milliers de personnalités différentes. L'esprit d'un enfant innocent. Vous avez connecté Lily à cette machine ? Votre fille est très spéciale. C'est la candidate la plus adaptée au noyau que nous ayons trouvé. Grâce à elle, le nouveau STEM a été un succès retentissant. Enfin, jusqu'à peu. Il y a un peu plus d'une semaine, Lily a disparu. Elle a cessé d'émettre des signaux. C'est alors que l'environnement du STEM a commencé à s'effondrer. Nous pensions que ce n'était qu'un problème technique, facile à réparer. Alors nous avons envoyé une équipe de Mobius à l'intérieur. Mais nous avons perdu contact avec nos agents. Le STEM ne répond plus. Réfléchissez, Monsieur Castellanos. Je vous offre une opportunité. Vous pouvez non seulement revoir votre fille, mais sauver sa vie. Là où vous pensiez avoir échoué il y a bien longtemps. Vous pouvez la sauver, ou la laisser mourir. Le choix vous appartient. Bonne chance, Sébastien. Et s'il vous plaît, essayez de coopérer avec les agents que vous trouverez. Je sais que vous ne nous faites pas confiance, mais ils veulent la même chose que vous. Ça va aller. Je n'ai pas besoin d'aide. Souvenez-vous, vous devez me contacter dès que vous trouverez Lily, pour que nous puissions commencer l'extraction. Je serai là pour vous. Et quelqu'un d'autre sera à l'intérieur. La femme. Vous êtes prêts ? Soyez prudent, Sébastien. On compte sur vous. Entrez dans le STEM dans 3, 2, 1. The Evil Within 2, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!
Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je suis? Oh yeah! Si tu refuses de m'aider, alors je découvrirai la vérité toute seule. Merde, c'est quoi cet endroit? Inspecteur, on a un appel. À toutes les unités, 1199, exécuté code 3, hôpital psychiatrique Bigor. On est vraiment mort les... plus ou moins les événements. Bureau au commissariat de Crimson City. C'est votre subconscient qui a créé ça. C'est à vous que vous devriez poser cette question. Allons droit au but. Nous avons envoyé quelques informations dans votre salle. Voyez-vous quelque chose d'inhabituel? C'est Lily qui a fait ce dessin de moi. Il a brûlé avec tout le reste de la maison. Ma première distinction. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. C'est un peu vrai, d'une certaine manière. Il y a des photos d'agents de Mobius ici. L'équipe que vous avez perdue, je suppose. Exact. Tenez-nous au courant si vous trouvez l'un d'entre eux. Vous êtes notre seul moyen de communiquer dans le STEM. Ils sont bloqués dans Union. Eux aussi, ils cherchent Lily. Union. Cet environnement du STEM a été conçu pour simuler l'aspect et l'atmosphère d'une ville appelée Union. Super. Alors vos experts aussi ont besoin d'être sauvés, c'est ça? Si quelqu'un en est capable, c'est bien vous. C'est gentil de me faire confiance, mais je ne suis là que pour trouver Lily. Il y a encore des informations. Vous devriez y jeter un œil. Lily, votre équipe, et maintenant moi, nous sommes tous prisonniers du STEM. Je comprends pas pourquoi vous pouvez pas simplement les sortir de leur caisson et les réveiller. Ça ne marche pas comme ça. Sans noyau, il nous est impossible de rentrer dans le système. Si on retirait de force quelqu'un du STEM à ce moment, ça les tuerait. Et leur conscience se retrouverait piégée ici. Magnifique. Mobius a vraiment des plans de secours bien huilés. Je vous en prie, épargnez-moi vos sarcasmes. Vous devez trouver Lily. Comme vous, et comme tous ceux qui sont à l'intérieur du STEM. Baker, chef d'équipe. Je vais essayer de le trouver en premier. Harrison, spécialiste du combat. Il devrait pouvoir se débrouiller seul. Union, hein? Ça ressemble à n'importe quel bled paumé. On l'a conçu ainsi pour que les sujets de test restent calmes et détendus. Calme et détendu. Tout le contraire de Beacon. Ce qui s'est produit là-bas était hors de notre contrôle. C'est clair que vous avez l'air de tout contrôler cette fois-ci. Écoutez, je ne
besoin d'informations, je vous conseille de vous adresser aux habitants. Vous savez passer la zone au peigne fin. Oui. Quand on faisait équipe. Vous n'avez jamais été un véritable inspecteur. Et vous, vous ne l'êtes plus. Mais essayons quand même d'inspecter un peu, d'accord? O'Neill. Il ne devait pas s'attendre à des problèmes pour envoyer autant de techniciens. Sykes, un technicien. Mais au moins, il sait se servir d'arme de poing. Hoffman. Psychologie et surveillance. Celle-là, je ferais bien de m'en méfier. Un chat? Je me rappelle pas avoir jamais eu de chat. Un projecteur. D'où sort ce souvenir? Comme primaire. Excusez. Relique d'une époque où l'on prenait des photos avec un appareil, on ne trouve que dans les géraniers et les brocantes. Elles peuvent être visionnées sous le projecteur de la salle de Sébastien. Kidman, vous êtes là? Toujours. Vous ne m'auriez rien dit à propos de Lily si votre machine infernale n'avait pas déconné. J'aurais passé le reste de ma vie à la pleurer et ça ne vous aurait rien fait. C'est faux. Mais je ne pouvais rien dire. Il m'aurait tué. Arrêtez, je vous crois pas. Pourquoi est-ce que je mentirais? Pour me manipuler. Pour que j'obéisse comme un bon petit soldat. Vous m'avez déjà menti. Toute notre amitié est basée sur un mensonge. Vous ne pourrez pas comprendre tant que vous n'aurez pas perdu votre famille. Je n'ai jamais eu de famille à perdre. Juste deux personnes qui m'ont mise au monde et traitées comme un fardeau, au lieu d'une fille. Mieux vaut avoir aimé et perdu quelqu'un. C'est ce que vous pensez? Peut-être. Au moins, vous aviez des gens qui se souciaient de vous. Pas faux. Merci, le chat. Ok. Réveille-toi. J'ai une fatigue qui me pogne d'un coup. Ça doit être la sortie. Je pouvais pas avoir des portes normales dans mes souvenirs. Vous pouvez utiliser les terminaux de sauvegarde pour enregistrer votre progression à tout moment. Ça se trouve dans, dans les planques ou dans les salles de Sébastien. C'est parti. Et c'est reparti. L'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir.
lui, qu'est-ce qui va pas? La tête de ma poupée est cassée. C'est pas grave. Maman peut la réparer. Maman peut tout réparer. Sébastien, ça va pas? Tu te sens pas bien? J'ai une famille merveilleuse. Une femme incroyablement belle et intelligente. Pourquoi ça n'irait pas? Viens là, Mira. Tu sais, tu travailles beaucoup trop. Tu en perds la tête. T'es sûr que tu ne couvres pas quelque chose? C'est le bon endroit. Un safe. Ouais, t'as l'heure. Je sais pas s'il y a CV. Là. Mais c'est pas les mêmes machines. Ben, c'est pas une autre sorte de machine, c'est possible de sauvegarder. Ben, pas de stress, on va faire une 30 minutes. Là. C'est fini le chapitre 2 ou une partie, puis. Déjà 30 minutes qu'on joue, ça fait. Oh, j'ai oublié d'appuyer. Oh. C'est plus le même bouton pour courir, ça a changé.
Oui, hein. Ah, tabarnak. C'est pas fort, ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un des agents, ça? C'est l'un des membres de l'équipe de sauvetage. La tête, il a blowé. Baker. Un sadique. Figure le chef. Qui a fait ça a bien pris son pied. Chef de l'équipe de sauvetage, il était figé dans le temps lorsque je l'ai découvert. C'est pareil. Juste à côté de lui qui a dû prendre cette photo. Mais comment est-ce possible? Quelqu'un a essayé de bloquer la sortie ou l'entrée. Et voilà. Allez, qui est l'autre bord de la ligne? Y a quelqu'un?
C'est turbo. Rien, y a rien. All right, let's go. Candidat, félicitations, chercheur de vérité. Merci d'avoir participé à notre test d'acuité spirituelle. Nous sommes ravis de vous faire passer un niveau de connaissance suivant. Veuillez vous rendre au candidat de probation de infidèle de Mu. Cette lettre vous accorde également une bonne place pour la prochaine cérémonie de purification. Notre manuscrit au dos de l'enveloppe. Mensonge. Rien. Que des mensonges. Dis-moi. Bon. T'es qui, toi? C'était quoi, ça? Merde. Se mettre à couvert et sortir. Couverture, maintenez RB. Se mettre à couvert lorsque l'icône s'affiche. L'icône se... de couverture, image 1, s'adresse lorsque vous êtes en face d'un point de couverture. Déplacer. Passer d'un angle couvert lorsque vous êtes à couvert, près d'un angle, une flèche. S'affiche, dirigez-vous dans la direction indiquée avec le L pour vous contrôler dans l'angle. Oh yeah. Il faut que je trouve un moyen de sortir de là. Thank you.
on peut pas aller par là. Ok, là. Un gun éventuellement, ouais. Porte-là. Je regarde ça. Et voilà. Il y a du pendu au pied carré. On prend pas. Jeez. Hmm.
La photo qui... C'est quoi ce bordel? Encore un petit 12-13 minutes là, faire notre heure au complet puis... Barnac. Une femme. Ouais. Je me demande à quel moment qu'on va l'attaquer, c'est l'affaire aussi. Régénération automatique. Lorsque votre niveau de santé est critique, la jauge de santé devient rouge. Lorsque la jauge de santé est rouge, votre santé sera partiellement régénérée. Elle sera régénérée plus rapidement si vous êtes immobile, donc essayez de trouver un endroit sûr pour se cacher, pour reprendre vos forces. Lorsque vous êtes dans une situation critique, je sais. C'est quoi cet endroit? Effectivement, comme la... Je crois qu'il y a courir qui est pas la même chose, mais... Maintenez plus l'objet arsenal. Ah là c'est là, avant ça c'était pas ça, mais... Une porte là ou il y a une porte là aussi?
L'écriture de ce journal est précise et ordonnée. Voici ce qui a été écrit en dernier. Journal de la maison abandonnée. Je viens de recevoir l'appel maintenant. Je sais pourquoi il y a eu des trucs bizarres des derniers jours. Le pire scénario qui soit. Mais au moins, je n'ai plus besoin de faire semblant. Les choses que j'ai vues, elles ont changé. Il est trop tard pour les sauver. Il est temps de mettre en pratique mon entraînement. Que Dieu ait pitié de leur âme et de la mienne. Le fichier est ajouté. Nanana. Oh! T'étais où quand j'avais besoin de toi? T'étais où? C'est peut-être le bon endroit. Lily. J'espère que tu es là. La photo, je pensais l'avoir perdue pour toujours dans l'incendie. Je me souviens du jour où elle a été prise. La laine de Lily sentait la barbe à papa et Mira n'avait pas été aussi belle. Dans quoi je me suis embarqué? Kidman? Sébastien, où étiez-vous? On vous avait perdu. Je sais pas. Mais c'était pas vraiment une petite bourgade paisible. Quelque chose de grave est en train de se produire ici. Baker est mort. Il y a un tueur en liberté dans le coin. Il fait des choses. Oh, fait chier, c'est un deuxième Beacon. Dans quoi est-ce que vous m'avez embarqué? Je ne sais pas. Nous avançons en aveugle. Baker était le chef d'équipe. S'il est mort, je ne me fais pas trop d'illusions pour les autres. Continuez de chercher. Je pourrais vous aider si vous trouvez plus d'informations. Ouais, c'est ça. Abandonné là, à pourrir. Vous inquiétez pas, Sébastien. C'est une petite ville tranquille. Ouais. Un peu trop tranquille. Eh oh! Eh! C'était la... asiatique, ça. Tu m'entends? Je ferais mieux d'aller voir. Y a quelqu'un? Oui! Finis ton assiette. Dois manger. La peau sur les os. Ah ben, non. J'ai dit, mange.
Ah, oh, je la tue. Ouais, c'est à l'image du jeu. Kidman. Vous avez fait vite. Vous avez du nouveau. Ouais, j'ai appris que c'était vraiment un nouveau beacon ici. Les habitants se transforment en monstres. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Mais ça veut dire que Lily est plus en danger que seulement perdue. Sébastien. Ça va, Kidman? Je m'en occupe. Je vais la retrouver. Comment je ferais bien pour... Comment je ferais bien pour ramasser mon gun de nouveau? Ah bah. Bon, ça marche pas. Addiction. Petit Chris là, tu penses? Je pense qu'il a arraché à la moitié de la face. Un mélange explosif composé de nitrate, de potassium, de soufre et de charbon utilisé dans les balles et les cartouches. 12 siècles. L'existence est toujours aussi efficace. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des munitions et d'autres objets. Ouais. C'est vrai qu'on pouvait construire des balles là-bas aussi. Non, c'est pas nouveau. Naturel de vertu médicinale, ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets
Et... J'ai vu Python Hawk à part. J'ai vu Or. Welcome to Union. Bienvenue à Union. Quoi encore? De là. Des agents de Mobius. Donc ils sont pas tous morts. Merde. Ces saloperies sont partout. Je vais devoir entrer là-dedans et soutirer quelques infos à ce type. Les ennemis sont particulièrement sensibles au sang, déplacez-vous plus discrètement en occupant. Attaquez les ennemis, on ne soupçonne pas votre présence. Maintenez ça et visez. Lancez la bouteille, faites suffisamment de bruit pour distraire les ennemis. Après avoir acheté l'attitude. Yeah.
Comment je fais pour ouvrir la crise de pas? Je vais aller tuer lui, après ça je vais revenir, pour je vais casser la vitre. Exactement. Mais là, j'aurais cassé la vitre tout de suite. Probablement, j'aurais amené la mort sur moi. La porte va être barrée, j'imagine. Merde. Oh putain. On a pas. Aussi. Arrêtez, n'approchez pas. Ok, calmez-vous. Ne tirez pas. Le chapitre devrait arriver fini. Je ne vous veux aucun mal. Vous voyez ? Vous pouvez baisser votre arme. Nous sommes dans le même camp. Vous n'êtes pas de Mobius. Vous n'êtes peut-être pas une de ces choses, mais ça veut pas dire qu'on est dans le même camp. C'est vrai. Je ne travaille pas pour Mobius. Mais ce sont eux qui m'ont envoyé ici. Vous avez vu ces choses dehors? Ce qu'elles peuvent faire? Ouais, je suis au courant. Vous avez de la chance que votre partenaire se soit sacrifié pour vous permettre de vous échapper. C'était pas mon partenaire. C'était juste un agent de sécurité d'Union. Me protéger, ça faisait partie de son boulot. Et le mien, c'est de réparer des trucs. Merde, on me paye pas assez pour mourir ici. Je suis pas un soldat. Juste un technicien. Je sais. Arrêtez! Ou je tire! Un soldat aurait pris soin d'enlever la sécurité. Je vous l'ai dit, nous sommes dans le même camp. Et toi, t'es un camp. Bon, allez, on recommence. Je m'appelle Sebastian Castellanos. Oh, l'affaire de sauvegarde est là. La machine qui est là, c'est pour sauvegarder. Moi, c'est O'Neill. Liam O'Neill. Alors, vous ne faites pas partie de Mobius, mais ils vous ont quand même envoyé ici. Pourquoi ? J'essaie de retrouver... J'essaie de restaurer le noyau. Comme vous. Vraiment ? Bonne chance alors. J'en peux plus. Je vais juste attendre ici jusqu'à l'extraction. Personne ne peut nous extraire. Pas tant que nous n'aurons pas trouvé Lily. C'est qui Lily ? Écoutez,
nous sommes tous bloqués ici jusqu'à ce que nous trouvions le noyau. Vous pouvez m'aider? Si ça veut dire remettre le pied dehors avec vous, vous pouvez faire une croix dessus. Ça, c'est une planque, alors je me planque. Vous pigez? Mais j'ai peut-être une piste pour le noyau. J'ai détecté des signaux proches d'ici. Ils résonnent sur la fréquence du noyau. On essayait de les remonter à la source quand on a été attaqué. Tenez, écoutez. On dirait une petite fille, pas vrai? Silence. C'était elle? Le noyau? Je pense, oui. Mais depuis qu'on est arrivé, je reçois plein de signaux étranges sur mon communicateur. Il va falloir en trouver la source pour s'en assurer. Et comment est-ce que je fais ça? Votre communicateur peut aussi les capter. Jetez-y un œil quand vous serez sorti, vous verrez. D'ailleurs, vous capterez sûrement d'autres signaux dehors. Vous feriez peut-être bien de les suivre pour voir si... Non, non. Le noyau passe en premier. C'est notre seul moyen de sortir d'ici. Comme vous voulez. Nous allons synchroniser nos communicateurs. Je pourrai vous tenir au courant si je trouve quelque chose. Ouais, ok. Ok, si vous voulez. Je pensais pas que ça serait dangereux à ce point-là. Vous savez où je peux trouver des armes, ou du matériel? Je vous ai dit qu'il y avait bien ce signal, mais vous avez pas voulu en entendre parler. Je suis tout ouïe à présent. J'ai capté les transmissions de deux agents de Mobius qui parlaient de cache d'armes. En suivant le signal, vous trouverez peut-être quelque chose. Ils sont peut-être cachés et peuvent vous aider. Je vais y réfléchir. Allez, quoi, je suis tout seul ici, j'ai besoin qu'on me protège. Fallait peut-être pas laisser votre dernier garde du corps se faire tuer. Bon, je vais marquer le signal sur votre communicateur. Suivez-le ou suivez-le pas, je m'en fous. Ces choses sont plutôt robustes. Il va falloir beaucoup de munitions pour les tenir à l'écart. Vous avez rien de plus puissant ici? Pas ici, non, mais vous trouverez sûrement ce que vous cherchez dehors. Cet endroit a été conçu pour être paisible, mais qui dit Mobius, dit puissance de feu. Et vous savez où je peux trouver cette puissance de feu? C'est pas mal le bordel là-dehors. Alors c'est pas comme si vous alliez tomber sur un stock d'armes lourdes. Mais j'ai vu quelque chose qui pourrait vous être utile, à côté d'un blindé abandonné. Je vais vous marquer où il se trouve. Faites gaffe. L'endroit grouillé de ces choses. Vous étiez 5 dans votre équipe? Quand on est arrivé, il y avait déjà une équipe de sécurité pour nous aider, mais oui, on est 5 dans l'équipe de sauvetage. Attendez, vous avez dit Étier? J'ai trouvé Baker. Il est mort. Pas étonnant. Il avait trouvé un signal puissant, il voulait voir ce que c'était. Je lui avais dit qu'on devrait juste demander l'extraction et transmettre nos résultats, et qu'une autre équipe se chargerait du sale boulot. Mais il voulait rien savoir. C'était le chef d'équipe. Il fallait toujours qu'il joue les héros. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas grande différence entre un héros et un imbécile. Ouais, sûrement la même différence qu'entre la prudence et la lâcheté. C'est ce que vous voulez, je dis pas que je suis content qu'il soit mort. Mais vous me prenez pour le dernier des enfoirés. J'espère que les autres vont bien. Je vous tiendrai au courant si je trouve quelqu'un d'autre. Vous feriez ça? Merci. Je vous en serai reconnaissant. Ça fait déjà une semaine que vous êtes coincé ici. Déjà? Merde. Le temps s'écoule bizarrement ici. C'était censé être une opération de routine. Du genre à prendre à peine quelques heures. Mais merde, j'ai jamais rien vu de pareil. Comment ça? C'est normal qu'il se passe des trucs bizarres quand un noyau débloque, mais là, on a dépassé le bizarre. Cet endroit est en train de tomber en lambeaux. On s'est servi de l'émetteur de champ stable, mais il ne fonctionne pas comme prévu. C'est quoi l'émetteur de champ stable? Si c'est Mobius qui vous envoie, vous devriez pas être au courant. Ça fait déjà une semaine que vous êtes coincé ici. Déjà? C'était sens du genre à... Mais... Comment ça? On a dépassé... On s'est servi... C'est quoi? Si c'est... On explore ça un peu. Après ça, on sauvegarde. Boire du café restaure la totalité de votre santé. Les cafetières préparent automatiquement une nouvelle tournée de café après l'utilisation, mais ça nécessite un certain temps. Ça détend. Ouais. Oh.
caisse de ravitaillement. Chaque plan contient une caisse de ravitaillement dont le contenu se renouvelle au fil du temps. N'oubliez pas de retourner si vous manquez d'équipement. Vous pouvez utiliser l'établi pour fabriquer des munitions et des objets avec des composants. Vous améliorez vos armes. On va attendre. Fabrication et amélioration. Texte en hélico, une fabrication sur le terrain depuis le menu personnel pour fabriquer des objets sans utiliser l'établi. La fabrication sur le terrain consomme plus de ressources que la fabrication dans les établis et ne vous permet pas d'améliorer vos armes. Vous ne pouvez pas assigner de raccourci à la fabrication de terrain. J'ai pas de pièces détachées non plus. Parlant de pièces détachées, diverses composantes pouvant être utilisées pour améliorer les armes. Dites-moi. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. The Evil Within live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!